Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode du Maître du Donjon. Alors j'ai dû recommencer une toute nouvelle partie, puisqu'il ne m'avait pas sauvegardé mes modifications. Et figurez-vous que beaucoup de choses a changé, hein. Genre beaucoup. Il y avait du contenu que je connaissais pas dans ce jeu, qui est apparu quand tout à coup du contenu. Les salles sont dégueulasses. Mon personnel hospitalier est mort ? Comment ça se fait ? Ah oui. Ils sont encore morts sur des pièges. Prends-en un petit milliard, voilà. Ça fera l'affaire. Oui, voilà, j'ai mis des pièges ici et là. Ça pose des petits problèmes. Moi je vois pas trop pourquoi, mais visiblement ça pose des petits problèmes. Oui d'ailleurs j'aurais peut-être pas laissé ça dans cet état. Même si j'ai bougé la salle trésor, ce qui fait que ça a plus trop d'importance. Ouais, j'ai commencé à bouger des choses. Parce qu'en fait, Donjon d'Albug se présente vraiment, j'ai envie de dire comme le jeu vidéo, faut quasiment un étage. Il faut tout ça. Pouvoir faire 1000 outils, 1000 armes, 1000 machins quoi. Donc moi je me suis juste étalé sur deux étages globalement, hein, j'ai été très sage. Voilà, j'ai refait la partie tranquillement, je suis que sur deux étages. Et nous revenons donc à notre ami le Golbarg. Avec le raid, le clapier maudit de Xor a gagné, triomphé. Et ben c'est parti. Le clapier maudit de Xor. On a toutes les infos qu'il nous faut. Il nous faut des gardes. Globalement. À moi, la garde. Garde des vampires. Hein. Il est fan des vampires. J'ai ça maintenant, je crois. J'en ai deux dans mes F. Bougez pas, je vais nous trouver ça. Ou sinon, on va peut-être prendre un espion parce que les espions sont un peu plus balèzes. On va prendre un espion de niveau 10, ça va le faire bien. Ah, de niveau 9. Voilà. Y a des trucs que je peux me gratouiller, là. Un engrais, ça c'est hyper complicados. Ça c'est quoi? Totem de power. Allez, vas-y, let's go, c'est gratos. Il faut quoi? Des artisans orques. Artisans gobelins. Ça a l'air d'être le top. J'en ai quelques-uns. Normalement, j'en ai recruté de légion. Faut qu'ils arrêtent de mourir toutes les 10 secondes, mais... c'est pas le top niveau, par contre. Hein. Vous êtes prévenus. C'est pas le top niveau. Mais putain, mais je me suis fait encore bouffer tous mes gobelins par le cul, ou c'est comment? Oh, je retourne racheter des gobelins. Ça c'est quoi, un grimoire de glace? Ah, ça m'emmerde, hein. ça n'intéresse personne. Les espions et les vampires. Hein. C'est vraiment parce qu'il les faut tous, mais j'ai l'impression de les avoir... Bientôt j'ai l'impression que je vais les avoir en 50 exemplaires, quoi. Ah oui, c'est du garde drow. Maintenant j'ai de l'elfe noir. Les espions sont tous considérés comme des drow. Toi, tu es un nécromancien drow, mais je crois que j'ai du nécro vampire. Voilà. Vampire. Oula. Bon, on va pas faire ça. Hein. Bah, on va vous laisser travailler un peu sur vos appuis. Chasse au trésor. Y a pas de thunes. Peuvent nous permettre de lancer le raid sur les terres de Glonouk par en haut. Ça a l'air... Ça permet juste de gagner de la réputation. C'est nul. Mais il faut juste des gardes elfes. J'ai ce qu'il faut. Et un troll. Voilà, un garde troll. Ouais, j'ai débloqué du coup les trolls. Par rapport à l'autre partie. Évidemment, il y a des petites variantes, donc voilà, un troll. Voilà. Formidable. Ça bosse dur. Ici, j'ai refait une salle des plaisirs. Formidable. Donc on peut revenir à la table numéro 8. J'ai des pièges qui tuent des gens en boucle, c'est ça. Mon propre personnel. Ça shoot mes propres nécros. Bah bien sûr. C'est nul, les pièges, c'est une merde, voilà. C'est une merde.
Aucun. Voilà. Voilà. Chargez plus rien en fait. Voilà. Je vais garder les gens vivants. Un troll. Tu ressembles vachement à un ogre, mais bon, on tire à rien. On t'aime quand même. On t'aime tout de même comme ça. Qu'est-ce qu'il me faut globalement? Globalement, il me faut... Oui, il fallait que je supprime cette salle-là qui ne sert donc plus à rien. Voilà. Venez me démonter ce truc. Ah oui, en termes de stockage, ça donne quoi? Waouh, les armes, on est full. Bah, vend 100% des flingues, tout le temps. Voilà. Voilà. Va falloir se rajouter du stockage pour les deux autres. Je pense qu'une énième salle de garde sera pas mal. Du stockage d'informations. Voilà. Très joli. Rajoute-moi ça. On va rebasculer à l'étage. Il faut un peu plus de personnel. Parfait. C'est très bien, c'est très joli. Magnifique, tiens, on va récupérer ça tant qu'on y est. Mission improbable, on récupère quoi là-dedans? Un grimoire de glace, c'est de la merde, ça n'intéresse personne. Mais vraiment, ça n'intéresse vraiment personne. Voilà, hop, ça fait prendre des petits niveaux, gars. Il y a une petite chasse au trésor qui traîne ici pour récupérer le bras zéro nain avec grand plaisir. Faut quoi, des orques, artisans ou gobelins? Oh là là, c'est déjà un succès. C'est déjà un succès retentissant, nul ne le sait, mais en fait c'est déjà un succès. Je cherche juste des artisans gobelins. Putain, vivement qu'ils soient niveau 8000. Hein. Oh putain, ils font pitié, au secours. Orc. Tiens, j'ai pas un chef cuisinier orc pour mener tout ça, voilà. Chef cuisinier orc. J'en envoie partout des cuisiniers orcs, je sais pas pourquoi. Devant, c'est la ressource du siècle. Voilà. Je mets pause vite fait, parce que je veux pas être dérangé pendant que je fais ça. Je vais me rajouter... Un, deux, trois, quatre, cinq humains. On peut pas mettre celui-là parce que sinon on peut plus accéder. 5 elfes. Sinon un peu moins d'humains. En général les humains c'est un peu moins demandé. Je rajoute. Allez, on va partir sur 3. Parce qu'il y a un globzoul ici, un globzoul là. Or que j'ai déjà mis la sauce je crois. Ou on est juste passé à 5, je sais même plus. Toujours ajouter des orques, les orques qu'on aime bien. Des nains chiantos, c'est pas trop réclamé. On va se rajouter 2 drôles. Wow, tout le monde aime bien les nains. Mais des nains. Les nains, les gens trouvent pas ça chiant. Du coup, c'est cool. Voilà. Juste là. Un nain pour faire chier. Parfait. Que demande le peuple. Attends, il y a peut-être même moyen d'arranger ça mieux. Tu sais quoi, vire-moi ça. Il y a peut-être moyen de faire mieux en termes d'arrangement. Peut-être moyen de faire un truc où je gagne un peu de place pour mettre 2 nains. 2 nains légendaires. Oh, ça me paraît bien. Il nous manque quoi? Le garde barbare. Oh, il faudra donc une énième salle de garde. Parfait. De toute façon, il faut plus de salles de garde. J'ai pas assez de stockage de... ce truc-là, là. D'informations. Il restait pas une place, d'ailleurs, pour mettre une petite armoirinette, là? Une armoirounette? Ah, ici devant, je peux. Là, je peux rajouter une armoirounette. Ah, parce que t'es tourné...
intéressant. Attendez, je peux peut-être même rajouter plusieurs armoires honnêtes. Or, je peux même rajouter plutôt ici. Pour faire chier dans les coins, un nain. Très important. Il faut votre quantité de chantos, c'est une obligation syndicale. Là, un autre nain. Je pourrais, hein, mais les nains, c'est pas tant demandé que ça. Je vais leur mettre un casier de drôle. Même si les drôles, c'est pas tant demandé que ça. Ce qui est très demandé, c'est les orques et les elfes. Du coup, je me demande si je me mets pas un elfe ici. Tant pis, hein. Ça fait pas très joli, pas très aligné. Ah si, vas-y. On va se mettre un drôle parce que au pire, ça me fait du garde sur place. Et c'est pas plus mal. La bonne salle dégueulasse. Tout est en ok en entretien. Tout est demandé. Hein. Tout est demandé. Demandez dès maintenant l'entretien de votre salle. Et ce sera exaucé, bien sûr. Bon, la salle, elle est jamais propre. Hein. Celle-là, elle est trop grande pour être propre. On a un peu de pognon en réserve, figurez-vous. Ça a l'air de rien. Mais on a un peu de pognon. Tout ça pour dire, en fait j'ai fait tout ça pour pouvoir dégager le rez-de-chaussée un peu. Et je pense que je vais reproduire une salle de nettoyage au troisième étage, machin, blabla. Enfin au deuxième. Du coup, l'histoire c'est le deuxième. Je peux attraper des gens. Pas de cellules libres pour cette origine. Oh ! Mais comment ça ? Il n'y a pas de drone. Votre noirceur. Mais il y a mes putains de drones qui squattent tout. Oh. 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 Voilà. Voilà. C'est quoi? C'est parce que j'ai plus de gros? Attendez, j'ai peut-être plus de gros. Hein. J'ai peut-être raté un truc. Alors, hop. Ça c'est... non, ça c'est pas mes elfes. Ça c'est le drone. Et le père fouettard. Oh, bon. Tous les drones. Ah c'est ça, c'est parce que j'ai plus d'esclavagiste. Il a dû se faire fumer à un moment donné. Des esclavagistes. 1, 2, 3, soleil. Et on va reprendre un magicien du soin bucco-dentaire. Parce que les magiciens du soin bucco-dentaire, j'ai l'impression, l'objet est unique, quel que soit le nombre de phares magiciens. Augmenter la taille de mon prestige. Voilà. J'ai mis beaucoup de plumards pour nains, mais j'ai vraiment beaucoup de nains. Hein. Et les humains, on les empile. Les empile par paquet de 12. Cantine, je crois qu'elle va être ric-rac. J'ai déjà fait buter tout le monde? Oui. Je voulais vous. Moi ça? Ah, c'est un vampire. Ok, c'était un vampire. Je me suis fait fumax tout le monde. Vince sbires butés. Eh ben. Je me suis bien fait fumax, hein. Nouvelle salle? Ah, nouveau truc dans la prison. Les nouveaux éléments ont été débloqués dans ma prison. C'est une cellule pour, j'ai pas vu. Pour peau verte. Ah si je le mets là, je ferme tout. Merde. Ah bah vire-moi le bonhomme caillou. Vire-moi Indiana Jones.
1, 2, 3, 4 cages pour Pauvert, des cellules pour Elf. Vas-y, de l'elfe potentiellement on va en avoir. Hein. Des raids, des cellules pour nains, des vampires. Après, je suis peut-être un peu généreux sur mon nombre de cellules. Hein. Je suis un peu généreux sur mon nombre de cellules en général. Mais bon, on s'en fout, pour l'instant on a de la place. Let's go, puis on fera un étage dédié à la torture. Ok. Bon. Récupérer le butin, c'est fait. Recette secrète de paix, peut-être c'est de la merde. Peinture le poulet. Ça. Il nous le faut. Bon, il y a un chef cuisinier, parce que les cuisiniers c'est quand même des grands peintres avant tout. Plus de cuisinier elfique. Garde, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Il faudrait du personnel d'entretien si jamais. Voilà. Voilà. Oh, cette mission a toutes les chances de réussir. Voilà. Le bras zéro nain a été récupéré. Excellent. Alors. On va faire des trucs en prison? Ah oui. Okay, on a débloqué. Le bain à savon pour torturer les gobelins, les orques et les trolls, bien évidemment. Ah, on peut les groupir. Et l'autre truc, c'est quoi? Du linge puant pour faire chier les elfes, bien sûr. Évidemment. Avec un Indiana Jones écrasé. Voilà. On a mis que des trucs sales aux elfes. Bien sûr, ça va de soi. Je pense que je me suis bien fait tanner mon personnel. Je me suis bien fait fumax maras. Tac tac tac. Et il reste plus grand chose en niveau 10. Hein. On s'est fait tailler du niveau 10. Hein. Du banquier, du père fouettard. Ouais, ok, d'accord. Il y a vraiment eu. Il y a eu un dégrossissement des effectifs. Alors. Non, pas toi. Parce que je m'en fous. Je veux recruter. Quelques-uns comme ça. J'ai vu des chefs, il y en a encore. Des assassins, je crois qu'il n'y en a plus aucun. De toute façon, au pire, t'inquiète, vas-y, fais un stock. En mémoire, un comme ça. Un. Voilà. Impeccable. On est à 122 sur 150, on a même pas assez d'effectifs. Le bras zéro nain. Ah, le bras zéro nain. Alors, le bras zéro nain, il est bien parce que, bah, du coup, c'est mieux que le bras zéro de base. Du coup, voilà. On va virer les bras zéro de base. Et on va mettre du vrai bras zéro qui se mérite, qui se respecte. Du bras zéro de nain, bien sûr. Et on va descendre au seul endroit qui nous intéresse, la taverne, parce qu'à la taverne, il y a des bras zéro. Ça va de soi. Oh, allô Max, on n'aura même pas besoin de l'échanger. C'est pour le fun et le folklore qu'on le fait avant de tout. Voilà. Ah, j'ai gagné là. De comptoir immense. Pour faire manger tout le monde sa mère. Je suis d'accord, mais il va falloir que j'agrandisse la taverne, les gars. Mais je suis d'accord, il va falloir qu'on y passe à un moment donné. Parce qu'actuellement, ah, avec un nouveau fût, on peut divertir les clients avec des pullets. Voilà. Je vais rajouter des poulets, c'est officiel. Voilà.
Il me faut du Brazeral. Du Brazero dedans. Ici. 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 Et ici. Ok. Donc on a repoussé la limite de des murs. On va la repousser encore. Encore. Je suis pas allé assez loin. Tac. Comme ça c'est bien. Oh tu sais quoi. Pousse jusque là hein, tant qu'on y est. Hein. Porte de taverne, il n'y a pas besoin, j'ai pas forcément envie que les ennemis rentrent là-dedans. Donc à ça on va rajouter pour les orques, excellent. On va faire plaisir au pauvre, on va s'en mettre quelques-uns. Et le fameux comptoir immense qui va falloir réussir à rentrer hein. Ça rentre. Bah ça rentre pas en fait. Hein. En même temps, c'est un peu immense. Hein. C'est un peu dans l'intitulé, j'ai envie de dire. Mais. Waouh. Un peu grand quoi. Peut-être falloir agrandir encore les murs. Hein. Agrandissez encore un peu la taverne pour voir là. Bah ouais, jusque là en fait ce qui m'intéresse de voir c'est si je peux avoir coller un comptoir immense à peu près par ici, voilà. On rajoutera un fût ou deux derrière ou une table en loose. Ça, ça rentre nulle part. Ça ne rentre nulle part. Il va falloir te dégager toi. Hein. C'est compliqué hein. Ça va être compliqué à ranger hein. Allez hein. Non, j'ai demandé à le supprimer, donc j'étais mort. Voilà. Hop. Voilà. Ah, du coup, je suis collé au mur. Félicite pas la ville. Hein. Moi, je sais ce que tu veux, le jeu. Hein. Je t'ai compris. Hein. Je t'ai entendu. Hein. Je t'ai oui. Hein. Je t'ai oui. Donc, je te dirai. Oui. Ma réponse est évidemment oui. J'accepte. Il me dit pas cette zone là elle est pas accessible, machin, ni rien, non. Ça te dérange pas, zéro pression. Impeccable. S'il n'y a pas de pression, ma gueule. Hein. S'il n'y a aucune presse, hein. Hop, on va les gratter jusqu'au bout. Jusqu'au bout de tout ce qu'on peut gratter, hein. Voilà, vraiment on va gratter, hein. Alors là, le couloir, pour moi, il est trop grand. Voilà. Voilà. On gratte. On gratte tout ce qu'on peut gratter. Impeccable. À partir de là. Toi, je peux te remettre là. Parce que du coup, je n'ai plus de problème de place. Parce que je viens d'en générer comme un teut. Voilà. Mais c'est ça qu'ils veulent, les jeunes. C'est un peu de place. Plus il y en a, plus ils sont nombreux. Peut-être se calmer, hein, j'ai pas encore mis tous les fûts. Bon, après, j'ai mis beaucoup de fûts. C'est vrai qu'on peut se remettre des petites tournées de viandasse, quoi. Pourrait, en vrai. On peut tellement. Ah, ça rentre pas ici, merde. Enfin, flûte. C'est ce que vous aviez de toute façon parfaitement entendu. Ok. Les comptoirs sont pas alignés, ça me perturbe. Voilà. Et ça sera pas aligné ici aussi. Ça sera pas aligné non plus ici. Ça sera pas non plus aligné ici. Ça va me rendre fou. Voilà, là c'est aligné. Ici c'est aligné, je viens de débloquer des trucs pour les orcos. Est-ce que je m'en rajoute une caisse? C'était où les orcs? Pourquoi je peux pas aller jusque là? C'est bizarre, je devrais pouvoir.
Mais tu ne veux pas. Pourquoi? Ah, parce que la cloison va disparaître? Je ne sais pas, c'est bizarre. Il nous manque des fûts pour des vampes. Ouais, dans un petit coin comme ça, ça serait pas mal. Hein. Genre, on appellerait ça le coin glauque. La partie de la soirée où t'as pas envie de te trouver, quoi. Ouais, non. Le coin glauque, il est parfait, là. Voilà, le petit coin glauque, impeccable. Est-ce qu'il serait pas grand temps de se rajouter une ou deux tables de nains? Je pense que si. Voilà, là, il n'y a plus rien qui rentre, c'est des problèmes. Sans être des problèmes. Donc j'ai rajouté une cuvée de vampires. J'ai trois fûts pour des orques, c'est déjà pas mal. On pourra rajouter de la déco pour poulet. On peut pas se poser une petite table de jeu là en loose? Une petite table de jeu ou deux en 12. Voilà. C'est vraiment une table de la loose. On va mettre un petit fût ici. Hein. Voilà. Sûr qu'on a une petite place pour un poulet. Voilà. Bab le poulet. Et ici on a forcément la place pour se rajouter des brasero nains. C'est une petite tradition du tavernier bien sûr. Ah si, je crois qu'il faut que je bombarde des tables quand même. Hein, parce que là je suis en mode ouais c'est bon. Bon déjà il y a tout ça à bouger là. Il y a tout ça à bouger. Et il faut que je bombarde des tables je crois. Touc. Il y en a ça. C'est très étrange cette décision de ne pas vouloir me mettre. C'est quoi ça d'ailleurs du coup? Baril de sang non identifié. Voilà. Pour les orques. Tac tac tac, tout le reste on a. J'ai des tables spéciales pour les nabos, j'en ai rajouté deux. Et puis on va se rajouter une ou deux grandes tablées, hein, tant qu'à faire. Tant qu'à être là, j'ai envie de vous dire. Autant y arriver, hein. Tac tac. Comme ça on pourra se rajouter un fût ou deux par ici. Baril de mauvais vin, je crois qu'on en a déjà pas mal, je crois. Ah non, c'est les derniers que j'ai rajoutés. Un poulet. Allez, on va aller à 25 000, mais c'est vraiment parce que c'est ce qui nous nourrit. Cette cuisine, il serait grand temps aussi de l'améliorer. Alors, je vais pas forcément l'agrandir. Hein. J'ai pas besoin de l'agrandir à l'infini non plus. J'ai besoin d'intégrer des choses dedans. Toi, de toute façon, je crois que je peux te mettre voilà, un peu comme un sac, comme ça. Là. Impeccable. Hop, une tablée, deux tablées, foutez-moi des légions de cuistots à bosser, faites-moi bouger ces feignasses. Voilà. Ça va être un peu compliqué de circuler, mais trimer un peu, quoi. Ça vous fera le plus grand bien, bande de feignasses. Et vous savez quoi? Là, un petit brasero, non? Ah, je sais pas. Ah non, oui, c'est la sortie du puits. C'est pas au petit. Oh, c'est pas au petit. Le mec n'a pas au petit. Attendez, je vais au petit. Hein. Je vais au petit. Hein. Voilà. C'est le drame. Viens-moi ça. Vite, il faut au petit. Faire de l'optimisation.
Oh, l'optimisation fiscale. Sauf que... Sauf que toi, en fait, je te verrai... Je peux te mettre genre plutôt là, comme ça j'ai une place pour toi ici. Pourquoi tu veux pas? S'il y a ici. Rien ici. Pourquoi tu veux pas te placer là? Une deux places? Ah parce que du coup c'est toi qui... Putain. Cool. Hop, on va faire case par case. Hein. Voilà. Là. Voilà. Superbe. Merci. Le souci de l'optimisation, tout en respectant le lore bien sûr, des gamelles pour travailler plus vite. Oh, je pourrais rajouter une deuxième devant. Oh, rajouter un meuble devant et oublier les gamelles qui te permettent de travailler plus vite. moi j'approuve un peu. Je vous mens pas, je suis assez d'accord. Ça ressemble à que dalle, hein. Mais ça me tente beaucoup de dire... La plonge? Non. Fous-moi un meuble devant. Moi, un truc devant ça, là. Allez, ça part. C'est trop rigolo. Je le fais parce que c'est rigolo. Je le fais qu'une fois, ça marche. Une fois. Une fois au chalet, ça va rigoler un peu. Hein. Il y a du lourd. Donjon de Nullbeck, après tout. Tac. Pas grandi la cuisine, mais j'ai rajouté 4 postes de cuisine. Et ça, c'est une dinguerie. Voilà, là j'ai un troll qui vient becter. Voilà, parfait. Il vient saccager les cuisines. L'engrais nul. Voilà la recette de Peppa Pig là. Grimoire de glace. Que ça intéresse tellement personne. Mission improbable. Je fais chier des gens. C'est inintéressant. Il y a un peu d'argent à se faire. Bon, il y a un garde ou deux. 1, 2, 3, 4, 4. Et un chef gobelin. Et un autre cuisinier. Allez! Que des cuistots. Incursion en approche, on les a toujours pas vus. Pestilence et décadence! Souffrance et malédiction! Est-ce qu'il a. Ah oui! Non, j'entends ton insatisfaction. Jouis à ce que tu dis. Oh! Excusez-moi. Voilà. Ils vont venir te poser ça, tu vas voir, tu seras tout de suite beaucoup mieux, mon chéri. Qu'est-ce que j'ai débloqué là-dedans? La grève. Super. J'améliore vos conditions de travail et vous êtes en grève. Totem de pauvre. Oh, regardez, il est magnifique. Oh, c'est pas du tout deux fois le même. Profites-en. Hein. Je mets des petites colonnes de peau vert là, juste à l'entrée là. Boum. Boum. Voilà. Boum. 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 Ça dégage un style. Ça dégage un style. Il y a un style qui se dégage. Voilà. La distance entre eux et eux, c'est pas la même. Hmm. Oh.
s'en fout un peu. Et voilà, le raid est revenu de chez Xor avec le clapier maudit. Nous allons pouvoir nourrir le Golbarg. Super. Donc on a le clapier pourri. C'est grand mort. Ouais, non, c'est trop. Alerte rouge, code 56. Des troupes de Xor en opération de représailles suite au vol des hamsters. Alors, il y a un humain ici. Vas-y, on va se coffrer un humain. Normalement, ils sont tous plus simples à attraper quand ils sont tagués. Ça, c'est un gobelin. Je peux attraper aussi, je crois, les gobelins attraper les trucs. Je fais démonter mon personnel à une vitesse. Je trouve surdimensionnelle. Ok. Je me suis fait buter deux sbires. Hein. Les envoyer en prison, c'est pas si mal comme deal. Salle d'entraînement, j'ai gagné des choses. Ah. Salle d'entraînement. C'était ici. Pourquoi le mec va plus loin. D'ailleurs, qu'elle est un peu éclatée, hein, ma salle d'entraînement, hein, officiellement. Officiellement, ma salle d'entraînement, c'est pas la joie. Hein. Ça manque de... Déjà, ça manque de prestige. Et ça... C'est quand même une problématique. On peut pas continuer à ignorer éternellement. Est-ce que j'ai mis un tabouret d'entraînement? Oui, mais je sais même pas où il est. Il est là-dedans, les gars. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Ah, il est ici. C'est ça? Oui, c'est ça. Et tu regardes. Regarde le mur, frangin. C'est quoi ça? Ça a dû la perte d'énergie des gardes qui s'entraident au combat à distance. Ah. C'est utile en plus. Oh bah attendez, si c'est utile... Bon, hein. Dégage un peu là. Je vais m'en mettre un peu partout là. Tu... Accroche hein, vas-y hein. Vas-y Coco. N'hésite pas hein, le stade est chaud. N'hésite pas à en faire un petit peu trop. Voilà. C'est une salle de garde, d'entraînement. Oh, est-ce qu'on leur pèterait pas des bons gros bras zéro au centre? Non, c'est trop. C'est trop. Puis faut pas encombrer, faut pas trop encombrer l'espace, qu'il est pas large. Et on risque d'en avoir. Oh, on va leur mettre des jolies loupiottes murales là. Là, voilà, là, ils en rêvent. Hein. Bon, c'est caché un peu derrière la palissade, mais l'idée y est. Le cœur de mon projet est là. Faut rien du tout. Mais je les mets, hein, ça fait augmenter le prestige, j'en ai rien à carre. Hein. Voilà. C'est superbe. Qu'est-ce que vous pensez de quelques posters du donjon? Ah, même mieux. Putain, non? Pas du tout. Voilà. Épées et boucliers. Une chanson célèbre dans la terre de Fang. On peut pas. Ah, y a déjà un truc ici. Comme ça. Un cheval sur deux murs. Ok. On va s'y coller le petit tableau de l'employé du mois là. Hop. Il est très joli. Après, si je le mets ailleurs, on le voit pas du tout. Mais vraiment, genre, pas du tout. Du coup, vu qu'on le voit vraiment pas du tout, est-ce qu'on peut pas mettre la mouche? Vraiment, on cache la mouche. Parce que bon. Alors les orques ils aiment bien le tableau mais bon, y a un peu qu'eux qui aiment le tableau quoi. Attends, s'il me reste des surfaces de mur, voilà où je peux cacher des trucs derrière. Ah, je peux cacher une mouche, un crâne, une pomme. Et une pomme. Non. Ah non. Ah non, j'ai déjà une loupiote. Bon. Avec ça, une salle, 4 étoiles. C'était quoi cette attaque de Xorien? Qu'est-ce que vous avez mijoté tous les quatre?
Rien du tout, c'était des... enfin, un peu de bricolage. Tranquille. Nous avons juste mené un petit raid chez Xor pour trouver un clapier à hamster pour démon. C'était le seul moyen de rassasier le Goldberg. D'ailleurs, on ne l'entend plus. C'est un signe. Ouais, silence total. Pas pour boire, pas merci. C'est vraiment des clients relous, ces démons. Allez au diable! Je ne veux plus être interrompu! J'arrive à l'accord harmonique septuple de ma sphère d'invincibilité parfaite! Ça bosse dur. Zangdar, ça bosse dur. C'est des trucs de magicien, quoi. Qu'est-ce qu'on a looté comme merdouille? Visiblement, on a un nouveau truc. Ah, j'aurais pu mettre des colonnes orques aussi chez Goldberg. J'ai une statue d'un sorcier sans tête. C'est validé. J'ai de la place pour les statues. Ah mais non, ah, voilà. J'avais de la place pour les statues à la con dans le couloir. Ouais, est-ce que du coup eux deux ils ont des mini apparts? Alors j'aurais pu leur faire des vrais apparts, mais ils ont des mini apparts. Toute cette énergie démoniaque perdue, c'est quand même dommage. Ce Goldberg catalyse tellement de maléfices que je peux les sentir me titiller sous mon armure. Oui, c'est intéressant. Je me demande d'ailleurs si on ne peut pas amplifier tout ça avec un cercle d'invocation démoniaque. Oh, quelle maléfique idée! Amplifiez-moi tout entière. Mais, maître, est-ce qu'utiliser des démons n'est pas un tout petit peu... dangereux? Évidemment que c'est dangereux. C'est un donjon maléfique ici. Pas une garderie pour bébé dryade. Mets-toi au travail! Garderie pour bébé dryade. J'aime beaucoup. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte, ça? Il y a 94 clients sur 148. Il y a 60 personnes dans la queue. Ça manque de comptoir. On va se remettre de l'énorme comptoir, là. Comment qu'il est, mon comptoir? Il est énorme comment? Hein? Pas le immense, hein. Énorme suffira. Ah, c'est déjà trop énorme. C'est... déjà, ça rentre plus, quoi. Merde. Ah, attends, peut-être ça rentrait. C'est peut-être que... voilà, c'est ça. C'était la table de nains et qui faisait chier, quoi. Bravo, les nains. Vraiment que les nains pour faire chier, comme ça. Let's go. Allez, faut bricoler, les gars. Qu'est-ce qu'il a, le gros? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu changes d'étage? Je vous vois derrière votre écran, bien à l'abri. Et votre âme est déjà condamnée par ce jeu démoniaque. Mmh. Ça a l'air, mon grand. Salle d'entraînement, j'ai gagné. Ah, ça y est, je vais pouvoir placer les petits mannequins débiles. Les planches de bois augmentent le prestige de la salle. Let's go. Alors, attendez. Bah, c'est tout en bas. Hein. Je fais étage 1 par 1, mais... Hop. Alors. Augmente un peu l'amusement des sbires allant s'entraîner dans la salle. Ok. Je sais pas en quoi ça gêne ou ça obstrue, mais visiblement ça gêne ou ça obstrue. Ah, on se laisse quelques planches de bois au cas où on aurait besoin de réparer un truc sur le bas-côté, quoi. Voilà, là on peut entraîner quand même masse de petits cons comme il faut. Là on peut y aller. On peut tasser du connard avec le pied. Validé. Cette salle, grand luxe, hein. Par contre j'ai l'impression que la crasse s'accumule un peu dans ce donjon. J'ai encore perdu tous mes balayeurs. Non, j'en ai pas mal, j'en ai 4. Bah, c'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal d'étages. Allez, hein. On recrute un ou deux, on passe après. Les ingés gobelins, on passe après non plus, je vais y aller. Le Goldberg est en colère. Il se fait chier. Ouais, c'est con. Ouais. Elle est propre ta salle. Un pentagramme d'invocation démoniaque dans l'entre du Goldberg. Ça? Ah! Effectivement. Dit comme ça, je comprends.
C'est plus clair. C'est pas très pratique à agencer, c'est un peu de la merde. Du coup, j'ai envie de le mettre vraiment sur le côté. Dans le coin, genre, j'aime bien faire ça le dimanche, tu vois. Voilà. Ah, la gargouille bébé. Recruter un cultiste. Gadin Guldur, c'est un humain. Vous faites chier les gars, c'est déjà plein là, on va pas... on a déjà 10 banquiers qui nous tapent dans le trésor, on va peut-être pas en prendre plus, non? Sélectionner un sbire à sacrifier. Oh! Ouais, Ouais, plutôt mourir que des nerfs sur patient! Super, maintenant il me manque un banquier, connard. Oh. On a un niveau 7, coûte cher maintenant. Qu'est-ce qui est sacrifiable facilement? Du balayeur? Un balayeur c'est facile, c'est pas cher, c'est bien, ça se remplace, on fera ça. Ah, ils sont déjà au niveau 2. Ok. Coffret monstre. Par les notes de Petit Pani. Par les notes de Petit Pani. Oula. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, torture-moi ça. Ah, c'est rigolo. Allez, libère-moi ce con. Allez, torture-moi ça. On va le laisser mourir, lui. Ouais. Pas besoin de bonus de réputation. Ah, torturez-moi celui-là, il est tout beau, il est tout neuf. On en a encore un ou deux qui doit traîner là-dedans, non? Ah, il lâche des infos, hein. Ça parle? Ça a plus rien à dire, je crois. Faut voir. Faudrait que le personnel revienne aussi. Ça moule d'infos, hein. Méchant mais pas trop quand même. Source volée, zéro. Hop, stock, vente. Oula. Bah, à partir de maintenant, on vend 100% des outils. Voilà. Les infos. Les infos, non, on va pas les vendre. Les infos. Les infos, les gars, va falloir qu'on rentre encore d'un étage. J'ai de l'avenir pour vos informations. Salle de garde. Ah ouais, 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 ça va se passer comme ça encore. Tac. Oh, attendez, est-ce que ce serait pas le coin parfait pour mettre les appartements de Zangdar? En vrai. En vrai. Voilà, il leur manque tous les deux de l'espace, de la place, tu vois, on sent qu'ils sont stressés. Voilà, tu vois, tu vois, j'ai plus de place pour une douche. Imagine le degré de stress quand tu peux pas prendre ta douche. Voilà, t'es obligé de prendre ta douche en face de ton bureau, comment tu fais? Voilà. Et là, voilà, comment tu fais pour inviter tes amis? Non.
On va relocaliser Revac, je pense. C'est plus important. On relocalise Revax au deuxième étage. C'est finalement... Est-ce que finalement c'est pas le bureau... c'est pas l'épisode du bureau de Revax? Est-ce que c'est pas ça le plus important? Juste une petite avancée. De quoi avoir l'air sexy avant tout. Il faut des bibliothèques compliquées. En Manzarin, en Manzarin, je sais pas quoi là, un truc compliqué. Voilà. Il faut bien entendu double collection de robinets. On a changé d'étage, on a changé de pouvoir finalement. En changeant d'étage, on se crée de l'espace, on n'est pas obligé de coller serré. Ensuite, il faut une vie intimiste. Après ça, c'est évident. J'aurais peut-être dû d'ailleurs ne... Nous verrons bien. Le chandelier. Juste ici pour y voir quelque chose quand même. Un grand coffre en bois. Avec son bras zéro là en milieu. Bien sûr. Sinon c'est vulgaire. La petite table, pourquoi pas, c'est acceptable. Voilà, puis après quelque chose de peut-être plus personnel comme ça. Ah, il nous faut une cheminée hein, quand même, parce que sans cheminée, on se retrouve sans cheminée quoi. Une machine à Chantos. Je pense qu'une machine à Chantos, c'est un peu le petit déjeuner des héros. Oui, ça met un petit coup de fouet. Ça stimule le matin. Alors ça, c'est pour séparer vraiment les affaires professionnelles de celles qui ne le sont pas, évidemment. C'est un peu trop. Je sais pas. On verra. Mais voilà, cette petite séparation déjà pour une chambrinette. Est-ce qu'on se laisserait pas un peu de place? Est-ce que finalement on se mettrait pas ce petit coffre au pied du lit? Oh, très mignon le petit coffre au pied du lit. Ça, juste devant le mural finalement. Peut-être le chandelier ailleurs. Et en fait, ah non, peut-être le feu ailleurs. Le, voilà, un peu de lumière haute portée, important. Important quand tu travailles. Ok, j'entends. Déplacement de la table, peut-être une cheminée, on avait dit. Hein. Il me faut impérativement une cheminée. À débloquer dans le marché. Ah oui, et bien sûr, hein, il faut aller voir le marché. Il faut s'équiper. Hein, faut s'équiper hein. Ah, c'est honteux. Voilà, je pense que c'est important. T'es chez toi, t'as ta petite cheminée. Moi, franchement, je pense que c'est important. Je pense que c'est très important. Alors évidemment on va faire un coin sanitaire, hein, ça sanitole tout dans la maison évidemment. Voilà. Voilà. Là on sent qu'il y a du mérite professionnel. On sent que on subit les ordres du maître, mais pas pour rien. Voilà, c'est vraiment. C'est vraiment maintenant, ça nous donne quelque chose. On sent qu'on a gagné quelque chose, quoi. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a quelque chose qui se dégage, quoi. Si on va se mettre un toilette douche, on pourrait peut-être même se permettre de le séparer. Avec évidemment, on aura la petite serviette de bain qui va bien. Voilà. Parce qu'on est. Oula, c'est pas le bon truc, ça. Voilà. Ah, du coup toi je vais te mettre comme ça. Comme ça, je viens juste ici. Je vais nous mettre ça. Oh, pas mal hein. Pas mal hein. Pas mal hein. Hein? Y'a un truc ou pas? Et pour préserver la totalité de notre intimité, voilà, on se met même les éléments sur le côté. Voilà. On se fait une petite douche
à l'italienne, très accueillante. Très accueillante finalement. Ah, est-ce que j'inverserai pas les places? Voilà, on est juste à côté de sa serviette, bien sûr, important. Hop, un PQ. C'est quoi ça? Est-ce qu'on veut vraiment des seaux, des vases ici? Non, je pense pas. Non. Je pense que... on va chercher autre chose à cet endroit-là. Une petite fontaine. Une petite fontaine très modeste. Franchement, si c'est pas ce que t'as envie d'avoir dans ta salle de bain tout de suite. Tout de suite là. Paf, maintenant, je te propose ça. Je pense qu'un petit bras zéro par contre. Je vais le mettre mon bras zéro, nain. J'ai envie de le mettre, je vais le mettre. Voilà, je l'ai mis là. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Hop là. Double bras zéro. Alors. Hein? Bon. Ah. Déjà, c'est important d'être bien éclairé. Si, 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 parce qu'on l'oublie, mais... Alors, non, peut-être plus dans la salle de bain, du coup. Voilà. Un peu plus dans la salle de bain, parce qu'ici, on va mettre des torches un peu plus portées, évidemment. C'est important. C'est important. Par contre, si je fais ça, voilà. J'ai plus la place murale de planter du décor. Ah oui, alors bien sûr, la déco. Évidemment, bon, c'est pas tout d'être un grand seigneur des donjons, voilà, tout ce qu'on veut. Hein. D'être le meilleur intendant, il faut avoir aussi de quoi satisfaire voilà, tous les sbires du donjon qui aiment finalement offrir des conneries, bon, bah, tu les prends. Je dis merci quoi, t'es poli. Ouais. Voilà. Alors évidemment, le tableau du maître à l'entrée. Hop. Évidemment, y a pas de discuter. Tout de suite, tu sais où tu es. Immédiatement, tu rentres, tu fais ah. Je crois que c'est la bonne adresse. La flamboyante, la sans nom, la troll, la barbare, la vulture. La vulture de l'agriculture. Je pense pas qu'on va aller plus loin. Alors si, voilà, quand on est un seigneur maléfique, des jolies fleurs quand même. Important. On aurait pu se mettre ça d'ailleurs dans les chiottes pour oxygéner la pièce. Est-ce qu'on aurait pas dû se mettre un petit... Ah, petit... Pourquoi tu veux pas? Ça te dérange. Qu'est-ce qui te dérangeait? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... Ah, tu veux pas parce que c'est trop... Ok. C'est trop. J'entends. Ok. Donc on n'est pas dimensionné pour les pour nos tapis là. Ils sont trop grands. Ok. Bon. Putain, s'ils sont trop grands. On va jouer sur quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus aéré, un peu plus dynamique, voilà. Ouais, très joli, finalement. Oh, une petite master colonne là. Boum. Oh là, petite colonnade. Hein. Oh, ça aurait peut-être même mérité de se retrouver à la place de ça là. Boum, boum. Ah ouais, il y aurait eu un style. Hein. Ah oui, je cache pas, il y aurait eu un style. Ah ouais. On tient peut-être le début d'un projet. Luxuriant finalement. Voilà. Ça, alors ça alourdit un peu, hein, ça. Ça charge un peu, mais je crois que la différence, c'est que ça nous fait gagner des murs aussi. Hein. C'est ça qu'il faut voir. Parce que vous ne voyez pas jusque là, mais sachez que ça nous fait gagner des murs en plus. Dans la salle de bain, il y a un autre truc que je voulais rajouter, évidemment. C'est très très important. Donc, on s'est mis une loupiote. Je pense que une, ça suffit.
Ah ouais, mais il aurait fallu la centraliser et ça nous paralyse tout. Non, c'est pas nécessaire de faire ça. Voilà, une petite fontaine vide pour se laver les mains une fois que t'as bouclé, c'est bien aussi. C'est propre, c'est sérieux. Moi j'aime bien le voilà le coffre nain avec du linge. Voilà, à disposition, c'est important, je pense. C'est important. Important d'en garder. Ou alors des vases et des pichets d'eau. Pour pourquoi se laver les mains, vraiment. Parce que c'est important l'hygiène. Voilà. 1, 2, 3. Bah attends, on a, vraiment sans déconner, on n'a pas un tapis qui fait 1, 2, 3. Soleil. Le jeu il me cherche là. Le jeu il me cherche. Non, ça c'est les petits tapis pourris. Ça c'est parfait ça. Alors, on cache le trou bien sûr. Ah c'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. On va se garder ce petit tapis là, bleu du plus bel effet pour le mettre ici. Le grand tapis là qui va constituer finalement un peu la chambre. Voilà, très très. Très dynamique, très en marche finalement. Là j'ai déjà mis un tapis, c'est parfait, impeccable. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Ouf. Ouf, ouh le tapis monseigneur. Oh monseigneur ce tapis. Waouh. Ah ça mérite que je t'en trouve un autre pour le mettre là quoi. Le problème c'est qu'il est tout petit. Moi je veux bien, hein. Il est rikiki. Hein. Bon voilà. Voilà. C'est encombrant. Voilà, en attendant peut-être de l'échanger. On verra, on est un seigneur, hein. Finalement on change un peu ce qu'on veut. Quand on veut, voilà, c'est tout. C'est un peu ça, un peu ce qu'il faut retenir quoi. Du tapis, j'ai mis ma petite cuve d'eau, qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, les petits pots de flotte, bien sûr. Alors, soit on se met juste un vase, un gros vase. Ah, on peut se faire un petit vase avec une fleur. Ah, attention, il se passe des choses. Petit vase fleur. Pourquoi je peux pas? Ok, je le mets là alors. Voilà, petit vase fleur. Très joli. Très très joli. On avait des pots, je crois, là où on allait. Bon. Vous avez tout perdu. Oui, je vois, je vois. En effet. Super. Tu pourras regarder le maître. Lève le matin, tu regardes le maître. Le maître dans les flammes. Voilà. Parfait. Voilà, l'appartement de Revax qui nous a coûté finalement presque rien. Ah, on a oublié de lui mettre. Ah ouais. Eh oui. Eh non. Allez. Oublier des choses. Ça, la matière propre, bien évidemment. On a quand même oublié à l'entrée d'ajouter une petite statue très chic de chevalier. Voilà, c'est distingué. Et de l'autre côté, on veut qu'on nous foute la paix, donc on met des gargouilles. Et on a un intendant très très heureux, je pense. C'est là à se demander si ce coche ferait pas mieux de le mettre par ici, mais le coffre d'un est si important. Ça fait des accès par rapport au tableau, c'est un peu gênant. Ouais, ça fait un peu, je te montre mon chargement. Je suis pas transporté, voyez-vous. C'est pas le. Là, à la limite. On va le bouger un peu par là, on va voir. Ouais, ça dégage le couloir. Je suis d'accord. On pourrait presque rapprocher ces deux tables.
rapprocher les deux bureaux. Voilà. 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 Il nous reste de la place pour accrocher encore des conneries. Excellent. Placer les tables de Monseigneur. Vite. Voilà. Pourquoi je... Vas-y, je vais repoter, merci. C'était pas du tout ce qu'on était venu faire. Ça a dérapé si vite. J'étais pas du tout venu faire ça. C'est pas propre. Je veux que ce soit propre, recrutez-moi ça. Une légende. Ah, c'est beau ça. Bon, on va voir. Voilà. On a combien des cons? Bien nul, hein. Ordre, votre noirceur. Hé, je suis employé, Valarda. C'est un démon nain? Ouais. Ok, c'est rigolo. Du coup, j'ai vraiment des démons dans mes effectifs, quoi. Donc j'ignore le niveau. Pas trouvé le niveau, hein. Je sais même pas où ils sont. Mais visiblement, je les ai. Les composteurs, là. Ça bosse un peu, les nécros, là. Parce que vous êtes 4. Tac. Si, ça, faut que je clique dessus pour dresser des armées de morts-vivants. Je crois que c'est ça à chaque fois. Ah non, faut que j'aille ici. Faut que je choisisse un débile. Admettons toi. Ah, vous pouvez... Ok, vous pourrez... il faut qu'ils augmentent leur propre niveau. Ok. J'ai pas de place pour les morts. Et j'ai pas de place, pas de cellule pour les vampires. Je les recrute maintenant à partir du niveau 6 parce que ça serait honteux sinon. Oh. Ok, ah, c'était mieux. Il est venu fuir mes poubelles, les cons. C'est mes poubelles, hein, c'est pas les vôtres. Oh, bon, j'ai un peu trop pied dessus. Le mec est mort, quoi. Des choses qui arrivent. Pas si propre que ça, hein. Bon. Dégueulasse, même. Certains endroits sont vraiment dégueux. C'est jamais propre, quoi. Bon. Ok. Admettons. Alors, qu'est-ce que ça dit ici?
30 personnes dans la queue. Constant. Waouh. On n'arrive pas à servir tout le monde. C'est vraiment... taverne est vraiment trop petite officielle, quoi. Zangdan, on va pouvoir agrandir ses appartements. Ça, c'est la bonne nouvelle pour lui. Hein. Il va peut-être pouvoir sortir de son appartement étudiant surchargé. Non, je déconne, un étudiant, bien sûr. Pas plus grand que le lit en termes d'espace. Et moins bien arrangé, bien sûr. Parce qu'un carré, c'est déjà trop pratique. Comme un rectangle. Donc, pas non plus. Pas non plus rêver. Cette pièce est surchargée d'individus. Pour faire des choses. Okay. Cette taverne qui ressemble à rien. Juste, bah, juste à prendre de place en fait. D'ailleurs, il n'y avait pas. On n'avait pas débloqué un truc là. J'ai commencé à ménager, je me suis dit ouais, plus tard. Hein. Bon. La réputation a baissé. Ça, c'est. S'ajouter une table ou deux. Histoire de se faire un petit kiff et puis on est très bien. Oh. Une place de rien du tout. Hein. Fais-moi péter le sifflard. On a le cochon. Nombre de sbires augmente, personne dans la queue, 30, ça va pas baisser à mon avis. Hein. Enfin, ça baisse un peu, mais ça va baisser longtemps. Hein. Du coup, j'ai le gigantesque comptoir qui peut tout servir en même temps. Ça se passe où, ça? J'ai bien l'impression que j'avais, ouais. Ah, je l'ai calé. Je suis un monstre. Je suis juste un dingue dans ma tête. Ça, c'est fou. Petite table des joueurs, là. On a oublié un truc hyper important. Non, on vend pas la taverne. La taverne, même à la revente, elle vaut 20 petits billets quand même. Hein. Comment ça valoir un peu de pognon, hein. Voilà, au moins un pullet. On a bien monté notre valeur. Hein. Le maxi cochon d'or. Évidemment, j'ai oublié le bras zéro. Comment ai-je pu oublier ça? Bras zéro juste là. Impeccable. Claquer des fûts ici. Et pour l'instant, c'est bien comme ça. Il y a encore des choses à débloquer. La taverne n'est pas au maximum de son potentiel, hein, je tiens à préciser. Ok.
Bon, à la base, on voulait construire les salles de garde. Parce que tout est trop petit. Et franchement. Ah ouais, on est au max. Mais on va s'en servir. On va s'en servir. Marché. Oh, joli. Oh, sexy, hein. Allez, on prend tout. On a le budget, on peut tout prendre. Hein. Sans regarder. Voilà. Et on peut se lancer en raid, bien sûr. Des reliques éclatées au plancher qui n'intéressent personne. Une plante Chicorium Intibus Moriatsi. Ça m'a l'air incroyable. Artisan gobelin. Il faut tellement de gobelins. Il faut tellement de gobelins. Il faut tellement d'artisans gobelins. Je suis dégoûté. Tous mes artisans de niveau 10 sont fait éclater. J'en avais plein. J'en ai plus du tout. Oh, j'ai plus rien du tout. Ah, mais ils ont encore trouvé le moyen de se faire buter, ces connards. Mais comment ils font, quoi? C'est sérieux, ça? Bah, envoie-moi des nains avec, hein. Voilà. Alors, hop là. Ouais, c'est bon, qui meurt tout le temps, autant en prendre, hein. Voilà. Allez, bosser un peu, quoi. Donc, pour les extérieurs. Ah, nous vous recommandons le petit lutin, bien sûr. Le petit lutin d'extérieur. Ah, c'est avec grand plaisir que j'accueille une nouvelle troupe de nains de jardin, merci. Avec le pullet. Il est pullet proof, bien sûr. Les stocks, hein. Voilà. C'est les petits restes à côté. C'est le. Alors, très bien, magnifique. Ici. Zangdar, maître du placard. C'est parce que j'ai demandé. Oh, le jeu il veut pas prendre des clics. Qu'est-ce que ce soit pas accessible. Ok, te fais pas chier, hein. Te fais pas mal aux côtes. On va aller ici plutôt. Voilà. Ça, on va le vendre. Ici. Question, et on va le poser là, il est parfait, il est magnifique. Est-ce qu'on s'en rajouterait pas un petit par là? Non, c'est trop chargé. Ah là, 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 là c'est chargé, mais c'est chargé juste ce qu'il faut. Oh là, c'est incroyable. Oh là, pff. Oh, c'est d'une sobriété. Oh là là, ça me déglace. Hein. Waouh. Oh, j'ai une nouvelle tenture. La bannière elfique. Bannière gloussante. Hein. Oh là là. Qui veut pas dormir avec sa petite bannière de petit pullet là? Oh là là. Non, moi je veux une bannière de pullet dans cet appartement. Je sens que c'est une nécessité. Je pense que ça va partir au-dessus d'une. Ce qui est dommage, c'est qu'elle est un peu cachée. Hop. Moi j'ai envie d'aller ici là. De regarder ce mur et de me dire mais ce mur n'a pas sa bannière de pullet. Pourquoi? Comment fait-il pour vivre sans sa bannière de pullet? Oh, c'est un problème. D'ailleurs il lui faut un mur à bannière. Hein. Hop. Pour un mur à bannière, ça va être... admettons, celui-là, il est très bien. Allez.
faire monter le prestige à quel point? C'est ça la question. Je veux pas juste assembler, c'est pas assemblé. Pas assemblé. Ah, ça monte bien. Hein. Non, plus que ce que j'avais espéré. Impressionnant. Vraiment. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Ah, attendez, on a gagné d'autres choses. C'est un jeu de déco avant tout. Hein. Là. Là. Tropitus Dominicus Simplex. Mais c'est déjà celle du Goldberg. Ah non. C'est la mini Goldbardia. Voilà. Pas joué mon Goldberg. Bien joué. J'ai rien d'autre. J'ai terminé un raid. J'ai gagné des champis, visiblement. Hop. C'est quoi le nouveau loot du moment? Oh là là, c'est joué. Oh là là, c'est joué. Oh, aux hangars, t'as gagné un peu de fleurs, mais bon. Oh, beau milieu de ton appart. Félicitations. Ah, prison, on a gagné, on a dû débloquer quelque chose. Ah oui, la salle de torture, bien évidemment. Mais oui, évidemment. Alors. Alors, cette petite salle de torture. Du plus beau prestige. Hein. Ça, c'est prestigieux. Excellent. Les stocks d'informations, c'est la merde. Il faut s'en débarrasser. Rendre service 130, ça va être chaud. Faut que des orques et des gobelins. Alors, j'ai beaucoup de chefs cuisiniers, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon choix là. J'ai envoyé tous mes chefs orques à la mort. Une relique éclatée, artisan elf. Ça compte ça? Ça a l'air de compter. Bah, on voit des nains. Tiens, vas-y. On a du nain. Let's go. C'est quoi ça? C'est de la merde? Ça n'a aucun intérêt. À part rendre la FP encore plus mécontente. De l'argent. Et il suffit d'envoyer des gardes pour gagner de l'argent. Alors ça. Alors ça. Faites-moi gagner de l'argent. Faites-moi gagner de l'argent. Des gardes elfes et trolls. Trolls, s'il vous plaît. Et trolls. Gardes orques et gobelins. Des espions. C'est nul. Du pognon. Avec des gardes elfes et trolls. Oh, j'ai plus d'elfes. Ce sera du troll. Ah si, j'ai encore un elfe, tiens. Troll. Il y en a déjà un de trop. C'est nul. Ça, c'est nul. Ça, c'est de l'argent. Garde, vampire, espion. Vas-y, hein, je te mets du garde. Hein. Ça, on a dit que c'était nul. Ça, c'est éclaté. Ça, c'est éclaté. Ça, c'est éclaté. Voilà. Ça part au donjon.
L'avantage de les capturer, c'est qu'ils sont beaucoup plus simples à faire tomber, évidemment. Libère de la place. On tourne au charbon. Un aventurier drone, mais du coup qui adore ça. C'est très rigolo. Très marrant. On va juste le torturer jusqu'au bout pour voir. Tu meurs. Ok, quand même. Ils aiment ça jusqu'à mourir d'ailleurs. Passion pour eux. Ok. Ok. Salle de pause qui est pas si exploitée que ça. Je me demande si. S'il va pas falloir. Rajouter directement ici une salle de bain parce que je crois que ça va plus jamais tenir. On va rajouter ça ici. Salle de bain. Allez, on passe par les chiottes pour aller à la cantine. Y a pas besoin de ça. Le lavoir à linge, oh, incroyable. Lave-moi le linge. Trop fou moi ça là. La cuvette à chiottes des orques, super, c'est par là. Une rangée de chiottasses. Ça me fait plaisir. Une rangée de douchasses. Ça me fait grand plaisir. Voilà. Hop, le PQ, on s'en accroche où que t'en veux, t'en vois. Voilà. Hop. Voilà, deuxième rangée de chiottes, quel plaisir. Plus de chiottes. Vraiment, je vous régale. Je vous tartine du chiotte. Ah, peut-être pas trop non plus, hein. J'abuse peut-être un peu. Bien, je crois. Voilà. De la douche, de la salle de bain, du PQ, on en a accroché au mur, en veux-tu, en voilà. Un petit brasero nain du plus bel effet, ça fait très chic. Un petit coffre nain pour ranger le linge, c'est quand même incroyable. Un petit candélabre pour y voir quelque chose. Petite ambiance zouquetanisée, t'as vu.
pas l'intérêt de mettre ça, mais on va se mettre ça. On va se mettre un petit pot ici, un joli pot. Très joli pot ou une très jolie petite plante en pot. Autre chose quand même. Moi je pense que une petite... Ah quoi que non, le petit pot, si tu le recharges, très bien. Impeccable. J'ai envie de laisser ça au milieu. Oh. Quel plaisir. Vraiment juste posé au milieu, comme un sac. Oh. Comme un sac, hein. Alors là... Oh, attendez. Je suis inspiré. L'arme inspire. Les bougies, juste à côté. Incroyable, le linge qui sèche. Ça, c'est beau. Ça, c'est pas partout boule vert. Tac, tac, tac. Ah, voilà. Et puis... la clé magique. La flemme agite la bite, bien sûr. Voilà, la bonne déco murale comme on l'adore. Il y a plus de place, dommage. De la place pour ça. De la place pour ça. Le chat qui fera très bien le travail. Je peux comprendre qu'il restait une place pour accrocher une torche. De la torche classique. Voilà, impeccable. Ces chiottes sont magnifiques. Eh bien, on a bien nettoyé le coin. Partir le poulet. C'est une raison d'être là. Récupérer la peinture du poulet. Au prix de votre vie, s'il le faut. Houblon, la brute et le truand. Des gardes orques. Ouais, j'ai peur d'avoir explosé un peu mon stock de gardes orques, mec. Ah, c'est un peu plus que ça. Hein. Prends des nains avec toi. Les nains, c'est bien, c'est bourrin, ça fait chier tout le monde. Tu prends un elfe avec, t'es sûr, tu t'assures du bordel. Qu'est-ce qu'il y a là ? Artisan elfe. Voilà. De l'artisan elfe. Bon, après, sinon, c'est elfe et troll. Voilà. Engrais aventure recycle à base d'orques. Oh, mais c'est impressionnant ça. Les orques, c'est bio. C'est bon, c'est bio. Tout le monde adore les orques. Ok. Petit orc là. Ah, j'ai perdu une légion de sbires là. Oh, qu'est-ce que j'ai encore perdu. Balayeur, il m'en reste 4. Il reste que 4 balayeurs. Oh, vas-y. Ça, c'est les pièges qui me les tuent tous. Hein. Voilà. Ensuite. 3 cuistots humains, 3 cuistots elfes. 1, 2, 3, 4, 5 cuistots orcs. Plein de gobelins. Il faut qu'ils soient en sureffectif, les gobelins, il n'y a pas le choix. Vous savez, ils ont le temps d'aller s'entraîner et tout. Faudrait que je fasse une vraie belle salle d'entraînement d'ailleurs. Parce que celle-là, elle sert juste à tanker les ennemis qui arrivent. Mais une vraie belle salle d'entraînement, ça se mérite. Hein. Ça va se mettre par ici, ça. Oh ouais, ça va se mettre juste là. Hein. Juste à quelques encavelures. Moi, je pense qu'une petite salle d'entraînement. Pas piquer des hannetons. Genre de là à de là. Vraiment s'assurer un contrôle
minimale de l'espace, quoi. Voilà. Vraiment. C'est juste pour dire... non, mais il me fallait une salle de garde. Sans aucune pression. Il me fallait juste une salle de garde. C'est pas le problème, en fait. Voilà. Ah, j'ai mis le Joe. Des mannequins tapés. Voilà. Très joli. Des trucs d'archer là, d'arbalétrier qui leur évitent de se fatiguer trop vite. On s'en fout qu'on les voit ou pas. C'est l'efficacité de l'objet qui nous intéresse. Vas-y, que je vois ça derrière. Je me cogne un degré. Débloquer en utilisant un raid, ok, oui, si tu veux. Super. Hop. De joli petit monsieur, très bien. Putain, ça prend une place ce machin, décidément. Genre, je le mets vraiment au milieu comme un sac. Le mec n'a plus aucune pitié pour rien du tout. De toute façon, c'est les gardes, hein. Faut qu'ils se marchent un peu dessus. C'est important. Faut qu'ils apprennent le coller serré. C'est très important. Voilà, j'ai bien rempli ma pièce là. Ça, c'est beau. Hein. Augmente le prestige de la salle. Ah, j'ai oublié mon tas de bois. Oh là là là. 1, 2, 3 mannequins. Oh, en plus, c'est magnifique le nombre de mannequins et tout pile, tout rond. Ouais, non, on va être obligé. Ouais, si je vais faire sauter un mannequin, je vais mettre un bout de bois. Franchement, un petit tas de bois. Juste ce qu'il faut. Je vais rajouter juste ce qu'il faut comme déco pour faire augmenter le niveau de... En fait, je m'en fous d'augmenter son prestige. Non, je m'en fiche d'augmenter son prestige, ça m'intéresse pas. Va te terminer. Hop là. File le loot, bâtard. Excellent. Qu'est-ce qu'il y a là pour piquer? Un comptoir phénoménal. Garde. Source et garde orc. Il me faut des gardes orc. Garde orc. Nous repassons plus tard. Maître, les prêtres du temple de Wismal sont rentrés de séminaire. Et alors... Quoi? Et nos troupes? Nous étions prêts à en prendre possession. Négatif. Nous avons échoué de peu. Nos forces ont manqué de célérité opérationnelle. En clair, ils ont traîné comme des limaces. Il y a pire. Il semble que, vu l'évolution de la région, ils aient négocié un genre de franchise religieuse les associant au culte de Nurgl. Enfer et tripes de Gorgoth, si près du but. Terrible. On va sacrifier un sbire. Hop là, toi là. Pas de cultiste disponible. Ah, je me suis fait péter mes cultistes. J'ai fait péter mes cultistes, c'est sûr. Je me suis fait péter mes cultistes, putain. Je vais juste en prendre un, parce que vraiment, ils servent à rien. Vraiment juste pour avoir mon quota de débile. Voilà. Donc, je disais, mes sbires. Toi, balayeur numéro... Toi. Numéro toi. Et il reste pas les balayeurs. À chaque fois, j'en ai que 4. Fais-moi ça. Jette-moi deux cons, hein. Voilà. Ça, c'est gratos. Je le prends aussi. Et voilà, les écrits sacrés des Cibouleurs ne sont... Mais c'est quoi ces taches de gras? Mais c'est la recette secrète du lembas au beurre de la déesse Petit Panis. Ce n'est guère intéressant. Moi qui espérais quelque chose comme un sort de puissance électrique ou un charme ravageur. Beaucoup d'efforts et de frais pour une simple recette de pain de route elfique. Je ne suis pas très... Attendez, sans déconner, la recette du lembas des elfes sylvains? Mais on va se faire une blinde avec ce truc. J'envoie ça en cuisine tout de suite.
Les clients vont se bousculer à nos portes. J'ai travaillé pour le tavernier. À la quête de niveau 1, c'est moche, hein. En tout cas, cette histoire de dirigeable a du potentiel, maître. En effet, il pourra me servir plus tard. Je suis fort aise d'y avoir pensé, seul. J'ai... Ok, impeccable. Bon, il y a encore des tas de choses à aménager et tout. On se verra ça dans un prochain épisode. Je remercie Stegnarfonction sur comme d'habitude gaming pour le maître du donjon de Nullbuck. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Oh. Ciao.